Bonjour à tous, je vous retrouve ce soir pour une vidéo ouverture de courrier. Donc c'est un colis, un énorme colis qui me vient de Magali du département du 16. Alors j'ai ouvert l'emballage, mais je ne suis pas allée plus loin. Voilà, donc, alors attendez, je manque de place. Alors, il y a un sachet. Alors, donc là, je vous montre là. Alors, je suis désolée, il y a la lumière parce qu'il fait nuit. Donc, au niveau de la luminosité, pour les gourmands, j'ai pas vu, il y avait marqué derrière. Bonjour. Ah, il y a une petite venue. Salut, ma chipie. Salut, ma chipie. Hop là. Alors, on va essayer d'ouvrir ça. J'aime bien cette ficelle-là, je m'en sers énormément, moi. Alors, je voulais pas couper, mais je risque de devoir le faire. Alors, oh, ça me fait penser à du chocolat, ça. Alors là, ce sont des petits parapluies en chocolat. Bon, ben. Voilà, bah c'est vrai que de toute façon, je voyais une vidéo il n'y a pas longtemps d'une personne qui disait que un Noël sans chocolat, c'est pas un Noël. Et c'est vrai que c'est un peu ça. Hein. Donc là, voilà, pour les gourmands, de chocolat, impeccable. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, bah je vois que... Alors là, il y avait des découpes. Alors, Merry Christmas, je ne sais pas sur quoi c'est... Bah oui, mais non, sinon je peux pas prendre les choses. Alors, mon assistante qui était en train de m'enlever le carton. Donc là, une découpe. Bah oui, mais non. Voilà. Alors là, il y a d'autres découpes. Oh là, il y a plusieurs choses là-dedans. Alors, j'arrive pas. Ah si, c'est marqué Happy Birthday, il me le semble. Ouais. Donc il y a des découpes. Alors, des découpes de napperons. Il y a des découpes, donc là, Happy Birthday. Il y a, comment dire, une découpe de chaussures. Ah oui, la tour Eiffel. Je ne l'ai même pas vue, au secours. C'est celle qu'elle a faite là. Ben oui, mais c'est avec les reflets sur l'écran, je ne le voyais pas. Là, il y a de la, comment dire, du ruban. Voilà, du ruban dans les tons mauves. Et de la dentelle dans les tons bordeaux. Super jolie, j'en ai pas du tout de cette couleur-là. Très très belle. Là, très y a très belle. Là, c'est gros, là. Petit marqué... bonheur à découvrir. Voilà. Alors. Et là, il y a marqué une chance aussi. Donc, je ne sais pas. Oh, Magali, je t'ai fait. Oh, oh là là. Beau. Oh, regarde la découpe en plus, là. Alors. Excusez-moi, j'ai le cache. Tiens, enlève ça, s'il te plaît. Donc, ça, c'est. Alors. Donc là, regardez, ça me fait... Alors, je pense que c'est ça, ce sont les... Mince, comment on appelle ça? Les boîtes à explosion. Oh là là, regardez-moi tout ça, attendez. Ouais, regardez, donc là, sur les côtés, il y en a de partout. Je sens que ça bouge à l'intérieur. Là, c'est super... Attends. C'est super sympa, avec le petit Père Noël. Oh, c'est trop mignon. Et là, regardez, donc là... Donc, des fleurs en papier, des fleurs, là, comment dire, des die-cuts en 3D. Et là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais parce que c'est le même papier qu'en dessous, mais là, il y a une... Là, c'est une découpe de partition musicale. Oh, c'est super joli. C'est super joli. Alors, on va ouvrir. Oh là là, mon Dieu. Ah, c'est un peu le principe d'une boîte à explosion. Bah, c'est ça. Oui, mais c'est avec des photos. Oh, c'est trop. Mais ça dépend. Nous, on l'a fait avec des photos, mais tu fais avec ce que tu veux. Mmh. Oui, parce que je vous en ai jamais montré, mais c'est vrai que j'en ai fait une. Moi, avec des. Chaîne. Oui, bien avant de créer ma chaîne, j'en ai déjà fait avec des photos. Alors là, donc il y a une petite pince à linge avec un petit ange. C'est super sympa. Je me demande pourquoi elle l'a mis. Mais, oh, et mais tout ce qu'il y a, mais c'est super sympa. Alors, je ne sais pas comment arriver à vous le montrer. De quoi? Bah là, la partition. Ah, je ne sais pas. Alors, je vais vous montrer, hop, dans ce sens-là, mais je ne vais pas vous la bouger. Donc là, attends, là, on a donc le, comment dire, Merry Christmas. Ouais, avec donc, bah, enfin, il y en a de partout, c'est juste trop joli. C'est magnifique. Oh là, alors, là... Ah si, ça je peux l'enlever, vous allez peut-être voir un peu plus facilement.
Donc au milieu, donc il y avait un gros paquet. Donc là, dans son petit nid, j'ai envie de dire. Ça fait un peu de la neige. Là, donc, je sais pas si vous allez le voir, c'est marqué Angélique Déborah. Non, bah, laisse le téléphone, on verra après. Donc là, une petite enveloppe avec marqué donc Christmas. Là, un petit sachet en organza. Donc on va ouvrir. Alors, l'enveloppe. Oh, du thé, hein. Du thé, du thé ou des infusions. Oh, thé vert, donc thé vert citron. Oh, super sympa. C'est les deux mêmes. Ouais. À chacun, alors. Thé vert au citron, j'aime beaucoup, moi. J'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup le citron d'une manière générale. Donc voilà. Et donc là, alors, je pense que vous le voyez, mais pas beaucoup forcément. Là, elle a fait une fleur. Là, vous ne voyez pas, c'est pas dans le cadre. Mais là, elle a fait une fleur en papier. Tout le tour en dentelle. Et donc, elle a mis une petite fleur là en papier qu'elle a fait. C'est super joli. Hein. C'est super joli. Hein. Alors, est-ce que je vais arriver à l'ouvrir? Ah, j'adore. Je sais pas ce que c'est, mais on dirait les trucs qu'on met dans les pluches, là, tu sais, pour les rembourrer. Oui, l'espèce de ouate. Ouais, j'adore. Alors là, il y a un super gros lot dessus. J'adore. J'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup. Et donc là, ce sont... Oui, ça s'entend. Alors là, c'est un petit sapin en mousse, donc autocollante. Donc là, des étoiles, des die cuts. Oh, il y a plein de choses. Oh, il est trop mignon. Bonne année. C'est trop mignon. Les petits sapins qui en mousse, mais pailleté. Oh, c'est trop mignon, ça aussi. Hop là. Là, le petit chapeau du Père Noël. Oh, il y a plein de choses. Merci, Magali. Oh, c'est joli, ça, j'aime beaucoup. Regarde. Encore une étoile. C'est très, très sympa. Ah, attends, parce que je crois que je vais en faire tomber. Des plumes. Attends, oh, c'est trop mignon. Bah, je vais mettre sur le côté parce que sinon, je vais pas remettre dedans tout de suite. Alors, là, il y a encore... Non, là, c'est collé dans le fond. Et donc, là, il y a marqué Angie, donc un petit cadeau. Et mais... sérieusement, mais tu fais des folies, Bah oui, mais je vais pas avoir le choix, Cocotte. Pardon, excusez-moi. T'as fait des folies, Magali, sérieusement. Ouais. Faut pas. En plus, ça a dû y passer, mais. Enfin, faut t'as pas. Dû passer du temps à faire tout ça et tout. C'est trop gentil. C'est magnifique. Hein. C'est trop. Alors. Est-ce que je vais arriver? Bon, je suis en train de saccager le papier. Là, c'est plus le scotch, je pense. Mais il y a le papier et le scotch aussi. Hein. Tellement. Oh, c'est une bougie, je pense. Attends. Pardon. Bon, je vais déchirer parce que de toute façon... Bah oui, mais j'y arrive pas. Donc... Oh non, c'est le truc avec des bâtons, ça me dit. Non, bougie. Attends, c'est marqué... Voilà. Oh, c'est trop... La vie couleur bonheur. Oh, alors, c'est une bougie parfum coton. Pardon. Regardez, c'est super gentil, je te remercie. Elle est belle. Un instant pour soi. Oh, c'est trop mignon. Bah, je la mettrai là et je l'allumerai quand je scraperai. Petite méditation et citation sur le bonheur. C'est trop mignon. Merci beaucoup, Magali, mais c'est adorable. Ouais. C'est adorable. Ah, franchement, c'est... C'est pas fini? Il y a encore quelque chose? Ouais, deux. Deux? Tiens. Attends, ouais, mais alors attends. Tu sais quoi? Par contre, la découpe, elle est abîmée. Mets ça sur le côté, s'il te plaît. Fais attention. Voilà. Tiens, avec le couvercle, s'il te plaît, t'essayes de refermer. Alors, donc là, il y a une enveloppe. Donc, fermée avec du washi. Il y a des choses vraiment en surépaisseur. Je ne sais pas ce que c'est. On dirait un tableau. Eh ben, dis donc, t'as dû t'amuser. Hein. Les mystères de Cassie. T'as dû t'amuser. Hein. Regardez ça. Regardez-moi ça. Donc, il y a plein de découpes. Il y a de la pâte de structure. Il y a pas mal de choses dessus. C'est très sympa. Hein. C'est très sympa. Regardez-moi ça. Donc là, il y a du carton ondulé. On voit derrière. Il y a vraiment... C'est du mix média, quoi, tout simplement. Ah, là, ce sera pour toi, ça. Oh, il y a même encore un truc et pour ma fille. Mais c'est juste adorable. Alors, attends, c'est sa carte. Bah, tu sais quoi, je te laisse ouvrir pendant que je lis. Excusez-moi. Donc là, il y a un assez gros paquet, donc avec marqué mon prénom. Donc, je vais l'ouvrir. Il faut que je trouve comment ouvrir sans abîmer.
Oh, franchement, Magali, mais t'as pas à t'excuser, vraiment. C'est trop gentil ce que tu nous as fait. Hein. Ouais. Et en plus, c'est super beau. Enfin, c'est. Aïe, mon ventre. J'ai mal. Et nous aussi, on t'embrasse fort. C'est vraiment adorable. Ouais. C'est adorable. Aïe. C'est trop gentil. Hein. T'es trop gentil. Bah, désolé, petit papier cadeau. Hein. Tu fais comme moi. T'as tout arraché. Bah, c'était pas mon intention. Ouais, mais c'est pas toujours évident. Puis le scotch, il scotche bien. Qu'est-ce que c'est? Ne dis pas que c'est scotch. Je ne sais pas, là. Moi, je... Opa. Alors, bah, montre à la caméra, ça pour... Des cartes à pailleter. Ah, bah, je connais pas du tout. C'est pas ce que je pensais, mais c'est encore mieux que ce que je pensais. Alors, je ne connais pas du tout, moi. Alors, ah, mais ce serait pas un petit peu comme du tableau de sable, par hasard? Alors, détache les zones autocollantes avec le stylet, applique la face métallique de la feuille pailletée. Ah non, alors, a priori... C'est un petit peu comme du... D'après ce que je lis, c'est un petit peu comme du... Comment dire? L'utilisation du foil. Donc, il y a un côté autocollant. Donc, nous, on fait ça avec les... quand on fait des tableaux de sable, où on enlève la... certaines parties autocollantes. Et donc, là, apparemment, c'est dans... Oui, bah, tu t'y prends un peu comme un manche, mais j'ai pas envie d'abîmer l'image. Bah, c'est pas... Voilà. Ah, c'est... Ah, mais j'ai jamais vu ça. Attends. J'ai hâte de le faire, là. J'ai jamais... Oui, mais peut-être pas ce soir, hein, parce que là, maintenant, ça va être... Non, non. Après, il y a de l'école demain et en plus, il fait pas... Là, il fait plus jour. Ouais, t'as pas... Attends deux secondes, voilà. Alors, a priori, ouais, je pense que ce sont des... Comme des feuilles de foil. Donc, il y a des parties à enlever. Comment dire? Quand on fait, nous, des tableaux de sable, on utilise du... Ça y est, je perds les mots. Comment est-ce qu'on utilise de... Je sais plus, non? Donc, voilà. Donc là, je pense que toutes les parties blanches, ce sont des parties à découper. Ou qui sont peut-être même prédécoupées. Oui, a priori, je pense qu'elles sont prédécoupées. Et donc, il faut mettre du... C'est une espèce de foil. Attends, je vais regarder de l'autre côté. Mais je connais pas du tout. Hein. Ah, moi non plus, mais ça a l'air super bien. Alors, attends, ouais. J'aime bien, moi, là. Donc, il y a alors des feuilles de transfert. Attends, pousse-toi. Pailletées, voilà. Il y a également... Donc, bon, allez, il y a 5 cartes à gratter. Un stylet. Il y a également, voilà, donc un petit bâton pour frotter doucement. Donc, moi, ouais, je pense que c'est un petit peu ce principe-là. Je connais pas du tout. Et derrière, on peut le colorier soi-même. Oui, parce que j'ai vu qu'il y avait un stylo aussi sur l'image. Pareil derrière. Alors, je vais... Oh, elle est super belle. Elles sont belles, les images. Oh, et je sais pas où tu as eu ça, mais c'est... Je sais même pas si je vais les faire, en fait. J'ai trop envie de les faire, si, mais j'ai peur... Les faire. Non, mais j'ai peur de mal coller. Moi, c'est comme les albums Panini, en fait, pour vraiment que ce soit... Je connais pas du tout. Bien de... Mais alors, j'ai jamais vu, je sais pas où tu as dégoté ça. Ah, mais... je sais pas, mais donc, c'est super attends, beau, hein. Deux secondes. Et donc là, vous voyez, voilà, c'est des feuilles de foil, en fin de compte, que l'on peut, que l'on rajoute dessus. C'est génial. Regardez-moi. C'est super joli. Eh ben, ça y est, il y a encore deux heureuses encore aujourd'hui. C'est vrai que c'est Noël avant l'heure. Hein. Là, vous voyez, il y a marqué « Je suis la licorne des neiges. Je vis sur des terres glaciales. J'adore voir tomber les flocons. » Enfin, regardez l'image. Je ne sais pas si jamais... Donc, c'est des cartes à pailleter, licorne. C'est de... Donc, c'est playback. Alors, j'avoue que moi, je ne connais pas, je n'ai jamais vu. Donc, voilà, si ça intéresse quelqu'un, franchement, ça a l'air juste génial. C'est magnifique. Licorne et c'est magnifique. Ah non, franchement, les images sont très... Bah, tu les as montrées déjà? Oui. Ouais, bah, non, tu ne vas pas tout lire. La vidéo va durer une heure après. Elles sont... C'est super joli. Licorne arc-en-ciel. Et franchement, je suis... Ouais. Elles sont belles. Elles sont... Parce que c'est vrai que souvent, des fois, on voit des licornes, ça fait un peu enfantin. Là, elles sont magnifiques. Licorne et des étoiles. Je crois que c'est ma préférée. Bah, c'est celle-ci, non? C'est l'image de celle-ci, sauf que là, elle est plus dans les tons violets. Ouais. Et là, elle est plus dans les tons bleus. C'est vraiment super joli. Bah, écoute, Magali, mais alors, tu nous as gâtés encore toutes les deux, mais un truc de fou, quand même. Ouais. Alors, j'avais déjà un envoi à te faire. Fallait que j'ai pas encore... Alors, j'ai à nouveau du retard, parce que j'ai reçu tellement de choses que je prépare aussi, pour renvoyer aussi. Mais alors, je suis vraiment à nouveau en retard. Donc, de toute façon, je vais t'envoyer quelque chose.
Ce sera... Enfin, je vais essayer de faire assez rapidement, mais c'est vrai que je commence un petit peu à prendre du retard. Mais dans tous les cas, je ne t'oublie pas, je vais t'envoyer quelque chose. Voilà. Eh bien, écoutez, on vous dit au revoir. Merci énormément, Magali, mais c'est juste Oui, à nouveau énorme. c'est vrai. T'as fait, mais t'as À encore chaque fait fois, un j'ai du travail mal à de y fou croire, quand en même, hein. fait. Ta boîte, elle est magnifique, ta boîte à explosion. Enfin, voilà, c'est trop joli. Quand j'allumerai la bougie, je penserai à toi systématiquement. Franchement, merci beaucoup. Merci pour moi, merci pour ma fille. Voilà, Ouais. c'est juste, voilà. Trop beau, trop joli. Merci beaucoup. Ouais. On vous souhaite une bonne soirée à tous et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Au Ciao, ciao! revoir.